Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des relations toxiques. Alors, on ne va pas chercher à mettre une vignette clinique sur celui qui vous martyrise, qui rend la relation toxique. On ne va pas chercher à chaque fois à savoir si c'est un manipulateur, si c'est un pervers narcissique, si c'est autre chose. Peu importe, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est de parler des relations toxiques. Bien évidemment que dans... je ne sais pas moi, 60-70% des cas, la plupart des choses dont je vais parler, effectivement, caractérisent le pervers narcissique. On est d'accord. Bon, mais on ne cherche pas à mettre une vignette clinique sur le comportement de l'autre, on cherche à comprendre ce qu'est une relation toxique, et éventuellement à la décrire, à la définir, et éventuellement d'amener des éléments pour tenter d'en sortir, j'aime pas cette expression, mais tenter de s'en départir, ça serait déjà pas si mal. Voilà. Alors, fondamentalement, c'est quoi une relation toxique? Comment on pourrait la définir? On pourrait la définir comme une relation qui n'est pas apaisante, qui n'apporte pas le bonheur escompté dans une relation entre deux individus. Pourquoi j'insiste entre deux individus, entre deux personnes, si vous voulez? Parce que c'est pas forcément une relation de couple, une relation toxique. Ça peut être votre sœur, ça peut être votre frère, ça peut être votre mère, ça peut être votre père, ça peut être votre fils, ça peut être votre fille, ça peut être votre collègue de travail, ça peut être votre manager, ça peut être un ami, ça peut être un bon ami, ou une bonne amie, une bonne copine, une copine d'enfance, ainsi de suite. Ça peut être une cousine, peu importe, ça peut être une belle-sœur, ça peut être un beau-frère, peu importe, ça peut être tout ça. Donc c'est bien une relation entre deux individus, voilà, et qui est donc toxique. Indépendamment de la définir, c'est quoi une relation toxique? C'est quoi ses critères? C'est quoi ses caractéristiques? Les caractéristiques sont multiples, pléthoriques. On va retrouver tout un tas de cas de figure qu'on va essayer de décrire un petit peu. Et puis après, on parlera des ressentis en lien avec la personne qui vit la relation toxique. Ça, c'est intéressant. Et puis en troisième volet, on verra effectivement comment essayer de se départir, de bien comprendre et de se départir un petit peu de ce type de relation-là, tout simplement. Même si c'est très complexe de s'en départir, puisque parfois ce sont des relations qu'on ne peut pas, on peut pas dire salut à ciao, si c'est votre père, si c'est votre mère, si c'est un membre de votre famille, c'est pas si simple de dire allez salut, je me tire, on se voit plus. C'est beaucoup plus complexe que ça. Un petit like si la vidéo vous convient, un abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Bon, alors normalement, vous le savez, une relation avec l'autre, c'est une relation, normalement, qui doit trouver une forme d'apaisement. Voilà. Une forme de bonheur de fréquenter l'autre, parce que ça fait du bien. Voilà, on se fait du bien, on s'aime, on s'apprécie, on se fait du bien. Bon, et bien vous verrez que dans un pourcentage que je ne préfère même pas définir, et bien les relations humaines ne sont pas imbibées, caractérisées par le bien que l'on s'apporte. Non, je ne dis pas qu'elles sont incarnées par le mal, n'exagérons rien, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon, mais elles sont incarnées par un petit truc très particulier, qui fait que la problématique de l'un vient effectivement tenter de prendre le dessus sur la problématique de l'autre. Voilà, ça me paraît bien résumé ça. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on n'est pas dans une relation apaisante. Bon, ça ne veut pas dire que la personne qui est en face de vous est mal intentionnée, elle est surtout mal. Alors, c'est quoi une relation où il n'y a pas l'apaisement? Bon, s'il n'y a pas l'apaisement, c'est qu'il n'y a pas la bienveillance nécessaire à tout type de relation. Ça ne veut pas dire que c'est mal intentionné à la base, mais ça veut dire que l'autre a un comportement qui n'est pas celui qu'il devrait avoir. Il, l'autre, hein, on est d'accord. On ne genre pas le propos pour une raison très simple, c'est que vous pouvez avoir 50-50 une relation toxique avec une nana, avec une femme, ou une relation toxique avec un homme. Voilà, tout simplement. Un homme, un jeune homme, ça peut être votre fils, ça peut être, voilà, ça peut être votre père, votre grand-père, ça peut être tout un tas de gens. Donc voilà, 50-50, il n'y a absolument aucune différence. Ça peut se faire entre deux femmes, ça peut se faire entre deux hommes, ça peut être une femme par rapport à un homme par rapport à une femme, peu importe. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a, a pas de chiffre parce qu'on sera dans du 50-50 dans tous les cas de figure. Alors, c'est quoi les caractéristiques principales? Il y en a tellement. Quand je vais revoir la vidéo, je vais me dire, mais comment j'ai pu oublier celle-là? D'accord, j'ai parlé de celle-là, mais comment j'ai pu oublier celle-là? C'est toujours pareil, ça, quand je fais les montages. Mais fondamentalement, c'est donc quelqu'un qui n'est pas valorisant, par exemple. Voilà, c'est un bon exemple. Quelqu'un qui n'est pas valorisant pour vous. Voilà, voilà. Il se réjouit plus de vos insuccès que de vos succès, en fait, si vous voulez. Bon, il ne vous tire pas vers le haut. C'est une personne, peu importe son sexe, on l'a dit tout à l'heure, le genre, c'est une personne qui ne vous tire jamais vers le haut. Voilà, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de piques.
Il y a beaucoup de raillerie, il y a beaucoup de moquerie. C'est plutôt quelqu'un qui aurait tendance à vous rabaisser. Voilà. Et voir éventuellement se mettre en avant. T'as vu moi, t'as vu moi, t'as vu moi. Voilà. Bon, plus quelqu'un se met en avant, plus il se rassure. Hein. Et plus on se rassure, plus on doute. Hein. Alors ça, on est d'accord, on a déjà parlé aussi dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, vous ne voulez pas. Donc, c'est plutôt ce type de relation-là. C'est quelqu'un qui s'intéresse à vous de très près, donc très bien, vous vous confiez à vous, oui, mais très bien. Mais le problème, c'est que tout le matériel de votre confidence, l'autre le récupère et vient soit vous juger, soit donner son avis, mais de manière intempestive, sur ce que vous lui racontez, soit vient se positionner clairement en disant « il faut que tu fasses dirigiste, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça ». C'est le contrôle sur la vie de l'autre, ça. Donc la personne cherche à contrôler votre vie, c'est extrêmement toxique, ça. Voilà. À vous dissuader de faire telle chose. Vous avez aussi la culpabilité. Mais comment tu as pu faire ci? Mais comment tu as pu faire ça? Mais comment tu peux m'en parler au bout de 2 jours alors que tu aurais dû m'en parler au bout de 20 minutes? Voilà, tous les moyens sont bons pour vous envoyer que ce que vous faites, c'est de la merde. Voilà, c'est ça le truc. Bon, donc c'est quelqu'un qui ne vous valorise jamais. Voilà, tout ce que vous faites, c'est pas extraordinaire. Qui s'immisce dans votre vie, voire donc qui cultive le profit. Tu comprends? J'ai tous les problèmes de la terre, il n'y a que toi qui peux m'aider, il n'y a qu'à toi que je peux en parler. Voilà, il faut absolument que tu me rendes ce service-là, voilà, que tu me payes tel truc, voilà, que si on fait ça, c'est toi qui prends à ta charge les frais, voilà, que mes problèmes d'argent, c'est à toi de les résoudre, hein, on est bien d'accord, voilà, ça c'est d'une très très haute toxicité, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vous utilisent, voilà, ils sont dans le profit, voilà, votre intérêt, ils s'en foutent. Voilà, on va retrouver les manipulateurs, on va retrouver les pervers narcissiques, on va retrouver tous ces gens-là. Voilà, pas de souci, on a dit qu'on ne qualifiait pas les comportements. On est d'accord, là, hein, les amis, on a une ligne de conduite, on la suit, hein, on est d'accord. Donc, fondamentalement, attention à ça, au profit. Oui, tu comprends, sans toi, je suis rien, t'es le meilleur, il n'y a que toi qui peux m'aider. Tirez-vous en courant. Voilà, tirez-vous en courant, c'est pas possible. Voilà. Ou alors, il y a vraiment des cas de figure très particuliers où il n'y a qu'une personne qui peut donner un coup de main. Voilà. Mais en règle générale, ces gens-là, vous vous rendrez compte qu'ils ne sont pas aussi esselés que ça. Ils se la jouent. Tu comprends, je suis seul au monde, heureusement que tu es là. Je suis un petit îlot qui vient de rencontrer un baobab qui vient de se planter sur mon îlot pour faire un peu d'ombre. Voilà. Et en fait, mais c'est des conneries, ça, putain. C'est des deux trucs, du violon à 3 cordes, là, dont je vous parlais dans le truc des pervers narcissiques, là. Comment agir face à un pervers narcissique. Vous ne pouvez pas tomber dans les pièges. Pareil, et puis après tu vas à la chasse au talbin et c'est toi qui raque, mon grand ou ma grande. Voilà, et ça, non, ça vous pouvez pas tomber dans ces pièges là, vous pouvez plus tomber dans ces pièges là. Voilà, bon, je vous parle avec conviction, les amis. Hein. On est d'accord. Hein. Voilà, je veux pas que vous souffriez de ce genre de situation et de ce genre de personnes qui agissent comme ça. C'est assez insupportable. Hein. On est d'accord. Bon, sur la relation ou l'autre, potentiellement, personne très toxique, il culpabilise. Voilà, toujours de ta faute. Voilà, lui, il est top, il est parfait, elle est parfaite, l'autre, hein, il est top, elle est top, elle est parfaite. Toi, t'es, voilà, toi, t'es, non, c'est pas bien ce que tu fais, ça va pas, c'est pas possible. Bon, il contrôle ta vie, bon, contrôle tes amis, voilà, t'es sûr que c'est bien des amis, mais arrête, c'est pas des amis, mais arrête, c'est qui ces gens-là, il critique toujours tous vos amis, vos amis, ça devient vos ennemis, quoi, voilà. C'est, est-ce que tu vas les voir, moi, j'y vais pas, ah, tu préfères tes amis plutôt que moi, putain, tirez-vous, c'est une façon de parler, putain, tirez-vous, on est d'accord. Voilà, mais je veux pas que tu les vois, oui, eux, ils ont de l'influence sur toi, alors l'influence, peut-être, tout le monde a un peu d'influence sur tout le monde, comme on dit, mais ils ont une influence qui n'est pas celle que moi, je veux avoir sur toi. Et d'ailleurs, leur influence pourrait être à l'opposé de celle que moi, je voudrais avoir sur toi. Voilà, et puis tu pourrais peut-être un petit peu trop leur parler de moi et de mes agissements, donc j'ai pas trop envie que tu les fréquentes. Comprenez la mécanique relationnelle des gens toxiques. Voilà, j'en ai marre que t'ailles voir ta famille, oui, tu vas vas-y tout seul, tu iras sans moi, une grosse histoire, hein, je veux pas que tu viennes, je veux pas que tu viennes en famille, tu vas encore faire ceci, on vous diabolise. Oh, tu vas encore faire ceci, tu vas encore faire cela, tu vas encore... Bon, total, on vous invite pas, enfin bref, voilà, tu peux pas venir voir ma famille, je te présente pas ma famille, je viens pas dans ta famille, enfin bref. Donc l'autre qui vous menace, oui, si tu fais ci, si tu fais ça, attention, il pourrait t'en cuire, n'est-ce pas? Je pourrais me casser, ça pourrait s'arrêter, si tu fais ça, il va y avoir des conséquences, voilà, la menace, voilà. La personne qui, effectivement, est très toxique, c'est quelqu'un qui menace, voilà. Et en fait, elle est dans la crainte que vous lui échappiez, donc elle menace, la personne menace, voilà. Alors, le problème, c'est que ces menaces, souvent, sont entendues, vous inquiètent, et donc, finalement, vous finissez par ne plus faire ce que vous auriez envie de faire. Vous vous laissez happer, objetiser par l'autre. Et ça, c'est un énormissime problème. Voilà, tout comme
Il y a beaucoup de disputes, il y a énormément de disputes, parce que vous n'êtes pas d'accord, et que le désaccord, moi je trouve ça sain, le désaccord, parce que c'est justement, c'est échange de propos contre propos, mais pour tenter de trouver un consensus. Or, les gens qui sont toxiques, le but, il n'est pas de trouver un consensus. Non, il est que s'appliquent les choses à la mesure dont eux les avaient vues. Point barre. Voilà, il n'y a pas de consensus. Alors les gens toxiques sont, dans leur style, très menteurs. Alors vous avez des grands menteurs, voilà, qui sont vraiment, c'est-à-dire que les grands menteurs c'est quoi? C'est que c'est pathologique, je suis d'accord avec vous. Je parle pas des mythos, hein, je ferai une vidéo sur les mythos un jour. Alors, la relation avec quelqu'un qui est toxique, c'est une relation fondamentalement à sens unique. Hein, il y en a un qui drive, et puis il y a un suiveur. Voilà. Alors personne n'est bien là-dedans, mais en tout cas, il y en a un qui a un petit peu les choses en main. C'est celui qui est dans la toxicité, la haute toxicité, je l'appelle comme ça. C'est une relation unilatérale. Voilà. Vous, vous y trouvez pas à votre compte. Vous êtes mal, vous n'êtes pas bien, on parlera de symptômes après. Alors, fondamentalement, il peut arriver, des fois, relationnellement parlant, que vous soyez rabroué, insulté, violenté, même physiquement. J'en ai souvent entendu parler, hein, moi qui consulte depuis 20 ans, j'en ai souvent entendu parler, et ça, ça, c'est toxique, c'est excessivement toxique, c'est même pire que toxique. Voilà, c'est annihilant, c'est objetisant, c'est... t'es rien pour moi, je te violente physiquement, t'es de la... T'es, hein. Trois mots qui pourraient étayer, manipuler, contrôler, profiter. MCP. Voilà, on peut les mettre dans un autre ordre, hein, c'est pas grave. MCP, manipuler, contrôler, profiter. C'est souvent soit l'un, soit l'autre, soit les trois, soit deux des trois, soit voilà. C'est souvent les mots qui vont incarner, caractériser la relation toxique. Voilà, manipuler l'autre, contrôler la vie de l'autre et profiter effectivement de l'autre. Des faiblesses, des fragilités de l'autre. Alors, une relation toxique, ce qu'il faut savoir, en dehors de la famille, effectivement, et vous subissez les frasques familiales dès votre plus jeune âge, mais quand les relations démarrent alors qu'on est déjà plus ou moins adulte, jeune adulte, effectivement, au départ, à la base, quelqu'un n'a pas marqué d'ailleurs sur son front « attention toxique ». Non, ça ne se voit pas. C'est même plutôt le contraire d'ailleurs, hein, on retrouve un petit peu les notions du pervers narcissique, voilà, ou des grands manipulateurs, c'est que ce sont des gens qui, effectivement, sont, on en a parlé tout à l'heure, en hyper-séduction. Hein, voilà, ce qu'ils vous montrent, c'est assez éloquent, c'est même trop. Voilà, vous êtes l'objet unique, méfiez-vous, tirez-vous en courant, c'est pas possible. Non, c'est plus complexe que ça, donc méfiez-vous de ce genre de discours, quoi qu'il arrive. Donc l'hyper-séduction, c'est toujours problématique, c'est surtout très révélateur. Donc c'est pas des gens dont vous direz, tiens, vous ne pourrez pas douter d'eux, au contraire, ils vous mettent en confiance. C'est le... la stratégie de celui, effectivement, qui va fonctionner avec des éléments toxiques par la suite. Bon. Donc vous ne vous méfiez pas. Et pourtant, il faut se méfier. Vous voyez, moins on doit se méfier de quelqu'un, plus il faut commencer à se méfier. Voilà. Parce que trop rassurant, trop de toute façon, trop, ça veut dire pas assez. Donc trop mis en avant veut dire qu'il n'y a rien derrière. Voilà. C'est comme si vous voulez, vous avez une vitrine, il y a une vitrine, la boutique, l'arrière-boutique. Voilà. La vitrine... clinquante, extraordinaire, vous avez envie d'entrer, tiens c'est bizarre, entre la vitrine, ce que vous voyez de l'extérieur et la boutique, tiens, c'est pas la même chose, c'était mieux la vitrine, je retrouve pas tout ce que j'ai vu en vitrine, forcément tout est mis en vitrine, y a rien dans la boutique, et alors je vous la fais courte sur l'arrière-boutique, y a rien, y a pas d'arrière-boutique, c'est devenu l'arrière-boutique, c'est devenu, normalement c'est là où il y a le stock, hein, pour pouvoir mettre des choses dans la boutique et pour pouvoir mettre des choses dans la vitrine, voilà, et ben y a rien. Il n'y a rien, c'est devenu un placard à balai, il y a juste un balai, une serpillière et autres, voilà. Bon, c'est déjà pas mal, c'est un signe de propreté, mais indépendamment de cette métaphore-là, il n'y a rien. Il n'y a rien à mettre dans la boutique, il n'y a rien à mettre dans la vitrine. Donc, ne vous laissez pas impressionner par une jolie vitrine, voilà. Des fois, oui, derrière une jolie vitrine, il y a quelque chose de bien, il y a une belle boutique, c'est une métaphore, les amis, là-haut, hein. Mais voilà, il y a une belle arrière-boutique, c'est-à-dire qu'il y a du stock, voilà. Ça veut dire qu'il y a du potentiel, voilà. Or, si effectivement la vitrine est belle, dans la boutique il n'y a rien, et on vous dit non, tout est là, des gens sont toujours un peu déçus quand on entend ça, et on entend hein, ça. Mais ça, c'est une métaphore, je parle du commerce là. Voilà. Mais attention, parce que les relations humaines, c'est pareil. La vitrine était jolie, la boutique, c'est moins bien, et il n'y a pas d'arrière-boutique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de stock, il n'y a rien à proposer. Tout ce que je t'ai montré les 15 premiers jours, les 3 premières semaines, le premier mois, j'ai rien d'autre à te proposer, je t'ai même tout donné, j'ai plus rien derrière, mon grand, moi. Voilà, je t'ai tout donné, hein. Et puisque je t'ai tout donné, bah tu vas tout me rendre maintenant. Mais là où moi je t'ai tout donné pendant un mois, toi tu vas tout me rendre pendant 10 ans. Voilà, c'est toujours pareil, c'est un beau calcul, hein, ça. Bon, c'est des métaphores, les amis, que vous connaissez très bien sur cette chaîne.
parce que vous savez comment je fonctionne, avec quel type d'image, quel type de métaphore. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc une jolie vitrine, quelqu'un, autrement dit, quelqu'un qui présente une belle façade, quelqu'un qui vous montre, t'as vu un peu comment je suis, comment, t'as vu ce que je sais faire, t'as vu machin. Mais fiez-vous, qu'y a-t-il dans la boutique? Et dans l'arrière-boutique, c'est pas très joli, c'est la métaphore, on est d'accord, ce sont des images, mais effectivement, attention, une trop belle vitrine pourrait effectivement générer une carence dans la boutique et une absence totale d'arrière-boutique ou une arrière-boutique totalement vide. Très bien, cette métaphore étant absolument bien posée, on peut poursuivre notre raisonnement, n'est-ce pas, ensemble. Petit à petit, à force de fréquenter les personnes, on finit par se dire, tiens, ce truc-là, je ne l'avais pas vu. C'est bizarre, mais comme il y a eu tellement de bonnes informations, les premières informations négatives ne se voient pas, parce que finalement, elles sont compensées par les bonnes informations emmagasinées pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ou quelques années, parfois, quelques mois, voilà. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, vous pensez bien que les choses se rééquilibrent et se redéséquilibrent dans l'autre sens. Voilà. Une relation, elle doit se nourrir de confiance. Plus la relation démarre, plus avance, plus vous allez avoir confiance en vous. En vous, dans la relation, et en vous, tout court. À partir du moment où vous êtes dans une relation où finalement vous n'avez pas confiance en la relation, pas confiance en l'autre, pas confiance en vous, méfiez-vous. Méfiez-vous. Une relation doit vous nourrir, vous devez être boosté. Vous devez bien vous rendre compte qu'entre l'arrivée de l'autre, au bout d'un certain temps, hein, pas au bout de 2 semaines, s'il y a une vraie plus-value pour vous. Si effectivement c'est le contraire, c'est la place au doute, c'est la place à des questionnements, c'est la place à des angoisses, et ainsi de suite, du stress, des engueulades, des embrouilles, on ne sait plus se parler normalement, mais fiez-vous, on est déjà dans des signes d'inconfort, on rentre d'ailleurs dedans, puisque c'est le deuxième point de cette vidéo, sur le ressenti en lien avec une relation toxique. Alors, la relation toxique, elle va générer des troubles physiques, des symptômes, des syndromes. Syndrome, c'est un ensemble de signes cliniques. Voilà. Des signes, alors nervosité, de la fatigue, une multitude de petits symptômes, un mal-être, un inconfort, un état de tension, une nervosité, ainsi de suite. Tout ça sont des signes intéressants, catastrophiques mais intéressants, mais qui vous permettent de dire mais qu'est-ce que je vis dans ma vie pour avoir ce genre de trouble? Voilà. Donc ça sont des signes physiques. Votre corps, en fait, si vous voulez, il est en train de vous dire. Mais un warning, il est en train de dire quelque chose qui ne va pas. Il y a des signes psychiques, des angoisses, du stress, il y a une perte de confiance en vous, il y a le doute s'installe sur vous-même, sur le couple, sur la relation à l'autre. Qu'est-ce qu'il me veut? Vous ne pouvez plus vous exprimer auprès de l'autre comme vous le vouliez, verbalement, parce que l'autre il part au quart de tour, que vous n'avez pas envie qu'il parte au quart de tour, parce qu'il va encore vous menacer, que tout va s'arrêter, que ça va être compliqué, que c'est de votre faute, vous n'avez pas envie de ça, donc vous gardez votre parole pour vous. Il n'y a rien de pire que de garder sa parole pour soi, d'être dans la rétention de la communication, c'est la pire des choses. Vous commencez à culpabiliser, vous commencez à trouver à l'autre des circonstances atténuantes, voilà, vous lui pardonnez tout le temps, voilà, c'est de votre faute, vous vous accusez même de choses que vous n'avez pas commises. Voilà, c'est incroyable, j'ai souvent entendu ça, voilà. Si, il m'a dit ça, donc c'est vrai, ça doit être vrai, oui, c'est vrai, voilà. En fait, pas du tout, quand on regarde rationnellement les choses, mais alors pas du tout. Et ça, c'est très problématique de se mettre à culpabiliser comme ça à outrance, et bien souvent d'adopter le discours de l'autre, et le vôtre a totalement disparu, votre réflexion a totalement disparu. Quand vous interrogez la relation, est-ce qu'on est à égalité? Est-ce qu'il y en a un qui a pris le pouvoir? Est-ce que je me sens à l'aise dedans? Est-ce que je peux être comme je veux? Est-ce que l'autre me met la pression? Est-ce qu'il m'empêche d'agir comme j'ai envie d'agir? L'autre me juge tout le temps, l'autre me critique, voilà. Bon, ce constat sur la relation que vous entretenez à l'autre, il est utile. Il est désagréable, mais il est utile. Voilà, vous avez tout un tas de critères qui rentrent en ligne de compte à ce moment-là. Donc, ne les négligez pas. Les troubles physiques, les troubles psychiques, la culpabilité, interroger la relation. Voilà, les 4 premiers critères qui font que finalement, il y a peut-être des choses à comprendre. Il y a un dernier critère, un 5e critère finalement sur le ressenti, qui est capital, c'est que vous constatez que l'autre cherche à vous isoler. Votre famille, elle est bonne à jeter au lion, vos amis ne sont pas des amis, ils vous demandent d'arrêter la pratique sportive, voilà. Les heures sup, tu laisses tomber, tu rentres vite à la maison, enfin bref, ouais, tu vas surtout pas voir tes collègues, tu vas pas boire un verre avec les collègues et après, parce que, voilà, je t'attends, enfin bref, ou j'attendais ton coup de fil, ou j'attendais de tes nouvelles, enfin bon, attention à ça. Les manipulateurs, les pervers narcissiques, voilà, les gens toxiques, ils vont chercher à vous isoler. Attention à ça, parce que ça c'est un signe.
D'ailleurs, ce sont des gens qui, en général, quand ils rentrent dans votre vie, ils se sont rendus compte si vous étiez déjà plus ou moins isolé ou pas. Voilà. Si vous êtes déjà un petit peu isolé, vous devenez une proie beaucoup plus facile que si effectivement vous êtes quelqu'un qui a un microcosme environnemental, relationnel, extrêmement riche, extrêmement dense. Voilà, ça n'empêche pas qu'ils essaieront quand même d'attaquer ça, mais fondamentalement, c'est plus difficile, ils savent que c'est plus difficile. Quand quelqu'un est déjà beaucoup plus solitaire, vous êtes une proie beaucoup plus facile. Méfiez-vous de ce genre de choses. Alors, vous verrez un truc intéressant là-dedans, c'est que une victime de quelqu'un qui exerce sur elle une pression et qui donc génère une relation toxique, elle est capable effectivement de renvoyer à la personne toxique des questionnements. Un désappointement et un questionnement. Et alors là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au moment où la personne qui est victime d'une personne toxique vient dire « Non, mais il y a ci, il y a ça, pourquoi ci, pourquoi ça ?» Eh bien, pour la personne toxique, la personne qui est victime devient toxique. Tu me pourris la vie. C'est ça qui est intéressant. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous affuble d'être quelqu'un de toxique, en fait, vous ne faites que renvoyer l'autre vers ses contradictions, mais renvoyer quelqu'un de toxique vers ses contradictions, vous devenez, pour lui, toxique. Donc, ça l'arrange. Comme ça, la toxicité, elle n'est pas chez lui, elle est chez vous. Vous comprenez cette mécanique? Donc, ce n'est pas parce qu'on vous affuble d'être quelqu'un de toxique que vous l'êtes pour autant. Dans certains cas de figure, on en parle depuis tout à l'heure, oui, ce sont des gens et des comportements et des caractéristiques toxiques, mais des fois, dans certains cas de figure, en pointant du doigt les bonnes questions ou les contradictions chez l'autre, vous devenez toxique. Pour quelqu'un de toxique, ça ne veut pas dire que vous l'êtes pour autant. Ça, c'est capital d'arriver à comprendre ce genre de truc. Donc, ce n'est pas parce que il y a des gens toxiques, réellement toxiques, mais il y a des faux toxiques. Voilà, il y a des gens dont on les étiquette comme toxiques alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne font que questionner la mécanique relationnelle dans laquelle ils sont. Et ça, je trouvais absolument capital de mentionner ce point qui est capital parce que quand vous vous retrouvez étiqueté comme toxique alors que vous questionniez la relation et que vous en souffriez d'ailleurs particulièrement, il y a une injustice absolument considérable. C'est le propre de la relation avec une personne toxique, c'est qu'elle est imbibée d'injustice. Finalement, d'une certaine manière, normale, puisque d'ailleurs elle est unilatérale. Donc ça, je voulais absolument vous en parler. Alors, vous pouvez avoir deux personnes ensemble qui sont toxiques. Un se plaint de l'autre, mais en fait, il a les comportements pratiquement similaires. Voire un, effectivement, veut contrôler la vie de l'autre, l'autre veut isoler l'autre, et ainsi de suite. Vous voyez, à chaque fois, c'est un ping-pong de toxicité. Voilà, chacun est toxique à sa manière. Ils se rendent compte, ils ne se rendent pas compte, ils sont PN chacun, ils sont narcissiques chacun, ils sont manipulateurs chacun, ils sont j'en sais rien chacun. Bref, mais effectivement, c'est possible des relations. Alors, ça, c'est super compliqué, hein, ça explose très souvent, mais c'est possible que chacun veut exercer quelque chose sur l'autre et vice-versa. C'est possible aussi. Tout comme bien souvent, là, globalement, il y en a plutôt un qui subit, voilà, qui devient même vite fait lui-même celui qui est toxique parce qu'il vient embêter celui qui exerçait la toxicité. Hein, voilà. Un pervers narcissique, vous le savez, hein, vous venez le renvoyer à ses contradictions, tu me fais du mal. Hein, tu me fais du mal, il se met à pleurer devant vous, il vous sort le grand jeu, là, 1, 2, 3, 5, 4, voilà, n'est-ce pas? Voilà, en disant tu es responsable de mon malheur. Fondamentalement, c'est faux. Donc c'est exactement ce genre d'exemple dont j'étais en train de vous parler. Intéressant. Ensuite, comment on tente de se départir, sortir me paraît un mot extrêmement complexe, comment on tente de se départir de ce type de relation? Fondamentalement, d'emblée, la psychothérapie. Parler de ce qui se passe, donner du sens à ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, saisir les mécanismes dans lesquels vous êtes pris pour mieux les comprendre et moins tomber dans les pièges par la suite. Comprendre pourquoi vous êtes le fruit de l'objet de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que finalement vous l'avez déjà été dans votre petite enfance, vous n'en êtes pas forcément rendu compte et puis ça recommence avec un autre partenaire? Est-ce que vous êtes dedans depuis 20 ou 30 ans, 40 ans et que vous n'en êtes jamais vraiment rendu compte ou petit à petit vous en êtes rendu compte et que finalement vous ne savez pas faire autrement avec cette personne-là, du moins la personne ne sait pas faire autrement avec vous, et que vous avez toujours répondu favorablement à l'autre, donc vous continuez à répondre favorablement à l'autre, qu'il faut travailler sa confiance, qu'il faut travailler l'estime de soi, dont je vous parlais la dernière fois avec la vidéo, sur comment récupérer son ex, la dualité entre le désir et l'estime de soi. Il devient souhaitable d'arriver à instaurer, à mettre en place des mécanismes pour stopper l'autre, pour lui faire comprendre que tout n'est plus possible, qu'il y a une frontière, qu'il y a une limite. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas l'autre qui va la mettre. Vous savez où l'autre met la frontière. Voilà, toutes ces questions du développement personnel sont fondamentales. Il n'y a pas de recette magique, ça n'existe pas. Fondamentalement, il n'y a pas de palimpinpin, il n'y a pas de tout ça. Voilà, c'est pas un truc dont on sort comme ça aussi facilement. Ce qui est capital dans l'histoire, c'est qu'il faut jamais chercher à essayer de faire comprendre à la personne toxique qu'elle est toxique.
Et il y a énormément de gens, j'en connais, des patients, peu importe, tout un tas de gens, qui s'arc-boutent là-dessus. Je vais tenter de lui faire comprendre à quel degré il ou elle est nuisible. Alors là, vous vous taperiez la tête contre un mur, avec ou sans casque, ça ne change rien. Parce que la personne qui est toxique, et d'une, s'en rend peut-être parfois compte, ça dépend, pervers narcissique ne s'en rend pas compte, le manipulateur s'en rend compte, voilà, reconnaîtra ou reconnaîtra pas, voilà, il y a de la mauvaise foi derrière tout ça, il y a tout un tas de choses, de toute façon ces gens-là ne savent pas faire autrement, voilà, ils vont se victimiser beaucoup plus que de s'assumer, voilà, donc fondamentalement c'est peine perdue ça, c'est peine perdue. Bon, alors vous l'avez compris, il ne faut pas essayer de faire comprendre à l'autre qu'il agit mal vis-à-vis de vous. Voilà, déni, inconscience, mauvaise foi, peu importe, c'est contre-productif. Il ne faut pas non plus chercher, passer du temps à essayer de comprendre pourquoi l'autre agit comme ça avec vous. J'ai rencontré bon nombre de patients, pareil, effectivement, ils cherchent à comprendre, ils ont des questions intéressantes, mais ce n'est pas cette personne-là qui leur fait du mal qui pourra les aider à y répondre. Pour les mêmes raisons que j'ai invoquées, hein, quand on essaye effectivement de mettre sous le nez de celui qui est toxique pour vous quelque chose qu'il n'a pas envie de voir. Il pourra toujours lever la tête ou tourner la tête. Voilà, il ne verra pas, c'est une métaphore, il ne verra pas la matière que vous lui présentez sous le nez. Voilà. Donc, ça c'est contre-productif, il ne faut pas être dans ce genre de processus, c'est de la perte de temps et c'est totalement inutile. C'est même parfois d'ailleurs l'inverse, c'est l'espèce de retour de bâton d'une certaine manière, c'est comme si vous tendiez un bâton à l'autre, l'autre le récupère pour vous taper dessus. Voilà, si plus vous allez lui montrer comment il fonctionne avec vous, plus l'autre va s'en servir pour dire « oui, mais t'es jamais content, oui, il va se victimiser, oui, tout ce que je fais c'est nul, oui, tu me critiques, il va se mettre à pleurer devant vous, à faire du théâtre, en fait vous lui offrez ça d'une certaine manière, donc attention à ce genre de processus, du moins si vous le mettez en place, ne soyez pas étonné que ça se produise, voilà, tout simplement. » Alors, quand quelqu'un récupère beaucoup, il y a des gens toxiques en lien avec ce que vous leur dites. C'est-à-dire qu'ils récupèrent le matériel et puis ils s'en servent. Voilà. Si vous ne voulez pas trop que l'autre se serve de ce que vous lui racontez, eh bien, il peut devenir souhaitable d'en dire de moins en moins, le moins possible. Comme ça, l'autre ne peut pas le récupérer et ne peut pas s'en servir contre vous, pour vous, pour vous mettre un moyen de pression, vous culpabiliser et tout ce qui s'ensuit. Ça peut être une technique tout à fait favorable. Donc, moins dire de choses. C'est malheureux, je vous l'accorde, c'est pour vous protéger. Ce n'est pas des scénarios optimalisés. Ce sont des scénarios de protection. On est bien d'accord. La dynamique de l'éloignement. Prendre un petit peu de distance, ça fait toujours du bien. Il ne faut pas que vous culpabilisiez. Ça, c'est la question. Si vous culpabilisez, il faut vous faire aider. Pourquoi je culpabilise autant de ne pas apporter à telle ou telle personne telle ou telle chose. Qui plus est, en général, cette personne vous culpabilise. Oui, t'as pris de la distance, c'est encore pire pour moi maintenant, voilà. Forcément, c'est logique. Dans sa stratégie à cette personne toxique, c'est logique. Et elle sait la culpabilité. Les gens, quand ils vous culpabilisent, ils savent qu'ils tapent directement là où il faut taper. Donc, c'est une stratégie. Soyez conscient que vous êtes dans le fruit de la stratégie de l'autre. Réévaluez la situation, élaborez votre propre stratégie et surtout, appliquez-la dans le long terme, pas 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, non, ça sert à rien, parce que ça va recommencer par la suite, voire même ça va être encore pire, parce que l'autre va vous faire payer le mois de recul, d'éloignement que vous lui avez mis, vous lui avez imposé, voilà, outrage, n'est-ce pas, donc il vous le fera payer, donc ça sera encore pire. Donc si vous mettez des règles en place nouvelles, il faut vous y tenir, vous n'avez pas le choix, ou alors ça va se compliquer, au moins vous ne serez pas étonné. La rupture, oui, parfois c'est possible, dans un couple, notamment s'il n'y a pas d'enfants. S'il y a des enfants, c'est excessivement complexe. On est bien d'accord. Mais une mère, on ne peut pas la quitter. Un père, on ne le quitte pas. Un frère, on ne le quitte pas. Une sœur, on ne la quitte pas. Et ainsi de suite. Donc, ça vous oblige plus à être dans l'éloignement, en dire moins, apprendre à avoir de l'aplomb, ne plus vous laisser humilier comme vous l'avez été, ne plus accepter les pics tels qu'ils se déroulent. Voilà, vous rebeller un petit peu. Voilà, ça se travaille. Pas avec le frère, la sœur, la belle-sœur, le beau-frère, le père, la mère, voilà. L'enfant, non, ça peut se travailler dans un cadre tranquille, de confort, où il y a une confiance, c'est-à-dire le cadre un cadre de psychothérapie. Voilà, éventuellement coaching. Voilà, éventuellement. Certes, j'ai gueulé, on s'est engueulé, mais finalement, j'ai toujours cédé. Pourquoi je cède? Alors, c'est intéressant parce que d'ailleurs, on retrouve des caractéristiques. La peur de perdre l'autre, l'attachement, la dépendance affective, dont je parle très souvent avec des patients, et ainsi de suite. Ça se travaille, ça se travaille, ces problématiques-là. Alors, attention, ce qu'il faut savoir, c'est que post-rupture, quelqu'un qui est toxique, il peut continuer à être toxique. Voilà, il peut continuer, malgré la rupture, à être toxique,
Il fait du harcèlement, il en parle à des gens, il se plaint, il se victimise, il vous charge, il envoie des emails à droite à gauche, ouais, il informe tout le monde que vous êtes le dernier des derniers ou la dernière des dernières. Et ça, c'est un véritable problème, c'est des pervers narcissiques en général, c'est des grands manipulateurs, mais fondamentalement, ça, c'est possible aussi. Donc même une rupture peut faire en sorte que l'autre, il continue de vous charger. Parce que c'est pas le tout de se séparer de quelqu'un. Fondamentalement, vous retrouvez quelqu'un d'autre derrière, par la suite, qui pourra aussi retisser la relation de toxicité avec vous, et fondamentalement, vous pourriez encore tomber dans le piège. Donc sortir rapidement d'une situation avec quelqu'un toxique et vous passer à autre chose, très bien, mais vous rencontrez potentiellement le même genre de problématique derrière. D'où l'intérêt de bien comprendre à quoi ça correspond, de bien en tirer des conclusions, de s'armer, voilà, face non seulement à la situation dans laquelle vous êtes, mais surtout aux situations potentiellement qui vont se présenter à vous. Bien évidemment, l'être humain travaille pour l'avenir, sur la base de son passé, au présent, et dans la perspective du futur, bien évidemment, c'est toujours cette notion tridimensionnelle. Voilà, on ne peut pas regarder l'être humain autrement que dans sa perspective tridimensionnelle, nous sommes d'accord. Si vous ne pouvez pas vous séparer, il faut bien repérer les pièges, et surtout pour ne plus tomber dedans. C'est surtout ça le plus important. Voilà, ça c'était capital de vous dire tout ça. Voilà, c'était exhaustif, je suis sûr qu'il va manquer plein de trucs. Bon, il y avait pas mal de trucs déjà, c'est pas mal. Chers amis, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de tout ça. On se retrouvera très rapidement pour une autre vidéo. J'espère vous avoir intéressé. Prenez un immense soin de vous. À très bientôt.